Et coucou YouTube et bienvenue pour cette rediff du Not So Berry. Et ben voilà, ils sont polis dans le chat, ils vous disent bonjour. Et puis bah écoutez, hein, reprendre notre magnifique maison rose. Alors les enfants ont changé de couleur de cheveux. Encore, bah oui, il y a eu un petit coup de soleil sur la chevelure. Parce que comme je n'arrivais pas à me décider de savoir si... on partait sur du roux ou pas, et sachant qu'effectivement le roux on l'a déjà fait. Bon, ça y est, on est parti sur le blond clair quoi. Calcul YouTube ici Twitch. Du coup, bah voilà, donc ils seront blonds. Ça peut être confusant. Mais comme ça, ça n'a pas été fait encore comme couleur. Ce le roux, je l'avais déjà fait, j'aurais dû faire le roux plus foncé. Comme ça, ça aurait été mieux. Mais bon. Tant pis, hein, comme on dit. Tant pis, comme on dit. Tout va bien. Donc, on est quoi? On est jeudi. Ah, si, c'est le printemps. Donc, j'ai bien fait de leur faire quand même une tenue d'été, parce qu'on sait jamais, ils vont peut-être avoir chaud. Où on en était, nous? On est jeudi. Ils vont aller travailler, ils vont aller à l'école. Sauf les deux marmots. Enfin, elle va pas bosser. C'était quoi, ça? Ah! Je meurs. J'ai dit c'est quoi ça? Il y a des pigeons sur mon bureau ou quoi? Et donc voilà. On a notre très très beau chamallow qui provoque des réactions chimiques chez pas mal d'entre vous. Ah mais oui effectivement, il doit se relancer dans sa nouvelle carrière d'auteur. Oh j'avais zappé, excusez-moi. On est d'accord hein. Aspiration, auteur de best-seller, quitter son job une fois adulte pour suivre son rêve, donc c'est-à-dire auteur, je pense, parce qu'il n'y a pas écrit. C'est pas écrit clairement, mais donc auteur. Voilà. Bon, ça va, il a une petite journée de congé. Et puisque nous venons d'atterrir dans cette petite partie, on peut se reluquer un petit peu le petit chamallow quand même, parce que... Voilà. Faites du yoga, les enfants. Hein. Ça donne ça, après. Bon, il faut en faire quand même pas mal. Hein. Ouais, mais c'est même dodo, hein. Même dodo, il est pas mal. Hein. Même dodo, il est pas mal, le petit. Qu'est-ce qu'il a? Sans emploi. Mais je viens de t'en trouver un, le boulot. Tartuffe, va. Tu vas te faire piquer, là. Tu vas te faire... tu vas mourir, après. Attention, et hop là, c'est tout le temps. Ouais. Comme ça, avoir l'habitude. Hein. C'était Roger? Ouais, c'est Roger. Attention, niveau faible. Attends! Parle au rongeur. Casse les couilles, ces rongeurs aussi. Mais quoi? Mais on s'occupe de toi! On va donner une friandise. T'es bon! Ah! Oh, on a encore une gosse qui va grandir. Au moins, elle ira à l'école. Elle nous cassera moins les pieds. Mais il faudra la relooker. Pourquoi? Ah, il est tendu du slibard. Elle va t'entraîner au yoga, va. Ça va te détendre le slip. Puis de toute façon, on doit toujours atteindre le niveau 10 en bien-être. On est à 8,5. Et monsieur n'est pas content. Tant qu'il n'ira pas bosser, il sera pas bien. Alors! Ah oui, c'est vrai, j'allais dire, j'ai jamais mis cette tenue. Mais non, elle va aller en cours, elle. Je suis même pas sûre que je lui ai fait faire ses devoirs. Donc voilà. Marina! J'ai cru qu'elle était encore en... J'ai cru voir du ventre, j'ai fait... Elle est enceinte. Mais non, ça va. Tu vas cuisiner des toasts pour un groupe entier. Sexy boy. Ah oui. Quel BG ce chamcham. Un chamallow tout en souplesse. Tout à fait. Oh la vache. Aïe. C'est dommage, on est arrivé au moment où il s'est cassé la gueule. Écoute, tu vois, tu peux te faire des amis. Bon là, t'es trop habillé, cham. Il faudrait que tu te mettes un peu plus nu quand tu fais du yoga. C'est juste pour l'aération, hein. C'est pas pour nous mater. Non, c'est pas vrai.
En tenue de sport, t'en as qu'une. Ah merde, j'aurais dû t'en mettre une deuxième. En micro-sliba, en string. Ah, ça aurait été beau, ça. Je fais quoi, moi, Maëlys? Attention. C'est trop drôle, la vie. Ah, je me réveille et je me marre. Ah, super, je vais faire chier le monde aujourd'hui. Ouais, c'est comme ça qu'ils font les enfants. Sachez-le. Non, moi je suis tellement pas souple. Et puis en plus, j'ai du gras partout, donc je suis bloquée d'un peu partout, tu vois. C'est déjà un miracle que j'arrive à plier les jambes pour m'asseoir. Bah écoute, après t'iras manger. Et ton petit frère, il va aller manger. Alors, je suis désolée. Mais Tartantuf, là, il a une tronche hein, dans le CNS qui fait pas envie. Déjà, il a même pas de menton. Donc, je vous avoue que j'ai un peu peur de ce que ça va donner. Donc on verra bien. À côté du chamallow, je suis un arbre. Ah bah ça. Et là, il est tendu parce que... Bah voilà. Qu'est-ce qu'il y a? On manque d'inspiration. Hé, tu vas me casser les noix aujourd'hui, Cham? Tiens, casse-toi la tronche, tiens. Fais-toi mal. Eh bah tiens, bien fait pour tes dents. Et t'iras manger, t'iras pisser. T'iras te doucher. Eh vas-y. Va faire ta vie. On n'est plus très très loin au final avec lui. Hein. Je veux dire, par les niveaux 10, on n'a plus rien à faire. Débogage. Ah, on a publié un livre qui s'appelle Débogage. Regardez, Débogage. 131 simflous. C'est pas mal. Ça rapporte le débogage. Vas-y, à bouffer là, Germain. Qu'est-ce qu'elle fait? Ouais, elle est en chaleur. Il y a un arbre généalogie pour cette série avec les couleurs. Bah, tout à fait, Maëlys, c'est le Not So Berry Challenge. Donc c'est... Ben, tu t'es déjà venu quand même. Je t'ai déjà expliqué. Là, c'est ses ancêtres. Ça, c'est tous ceux qui sont déjà passés avant lui. C'était les héritiers avant lui, voilà. Donc c'était ça, c'est son père, sa grand-mère, son arrière-grand-mère, son arrière-arrière-grand-père, son arrière-arrière-arrière-grand-père, son arrière-arrière-arrière-arrière-grand-mère. Je crois que je me suis pas trompée. Voilà. Ouais, elle s'est fait piquer. Bon, hé, Jacqueline, tu vas me faire la vaisselle. Bon, ça va, il y en a plus que deux des bambins. Elle va grandir quand, du coup? Oh, bah! Calmez-vous, elle va grandir maintenant. T'as un gâteau, là? Ouais! Oh, on s'en fout. Allez, hop, tu l'as fait grandir direct, on s'en tape. Aide à souffler les bougies, Melba. Melba Samba. Melon. Ouais, Melba Samba les melons. C'est mieux. Ouais, on fait pas de cérémonie, on n'a pas le temps. Regardez cette beauté. Je pense que quand ce sera le petit frère, ce sera pire. C'est là, franchement. Voilà. Excusez-moi. Je vais prendre une photo. Vous savez que j'aime bien faire les photos. J'espère que tu seras aussi belle que ta mère. Hein. Je sais plus ce que j'ai mis à sa sœur. Vite. Elle est pitre. D'accord. Bon, c'est pas... Alors, quels sont les traits gourmands, paresseux, pitres? Oh, bah je pense que pour un souci d'équité, je vais faire la même chose, en fait. Parce que comme ça, pour... Quand on
on fera le concours. Le concours de... La compète, quoi. Et ben, on aura exactement les mêmes traits. Ouais, elle est mignonne. Elle a l'air chouquette, quand même. Hein, elle a l'air mini. En plus, madame s'est déjà couronnée, là. Ça ne voit pas du tout. Donc, voilà. Elle a grandi. On est tranquille. Et tu peux aller faire tes devoirs. Ouais, c'est automatique. C'est un cadeau, hein. C'est cadeau d'anniversaire. C'est les devoirs automatiques dans la poche. Mais pourquoi tu lui parles que... Vas-y, fais la vaisselle un peu. Minuscule rongeur, merguez, ça vous a rapporté une carte postale de sa grande aventure. Mais merci, merguez. Oh, bah t'as... La dernière fois, c'était Roger. Là, c'est merguez. Oh, c'est Alcimara. En plus, hein, on est en train de découvrir, nous, Alcimara. Donc, voilà, ça me fait plaisir d'avoir une petite carte postale. De plus, sur la collecte. Ah. J'ai oublié de faire la chambre. Bon, alors une chambre chelou. Je vais pas m'enquiquiner la bistoufly, moi, mais on va reprendre exactement les mêmes meubles que sa sœur. À un moment donné... Zut aussi, hein, quand même. Voilà. Ah, c'est vrai que t'as un balcon, toi, qui sert à rien, mais t'as un balcon. Sur les opestistouets. Hop. Oh ouais, enfin. Ça va, c'est rapide à faire la chambre, hein, vous avez remarqué. On va mettre l'éclairage là. Et un autre là, allez. Hop, et il manque les ridales. Oh, ça va, hein. Il y a au moins des meubles. Oh ! Ah oui. Ah oui, j'avais mis les fenêtres plus basses pour faire comme si ils allaient vraiment aller sur le truc. Mais ça passe, ça va. Ça va. La chambre n'est pas non plus la plus dégueulasse, quoi. Hein? Arrêtez d'être médisant, là, dans le chat. Je vous vois, moi. Non, ça va. Ça va. Et go! Voilà, elle a sa chambre, déjà. C'est merveilleux! Non, c'est pas celle-là. Si je commence déjà à faire de la merde... Melba. Voilà. Elle est toute belle, elle est mignonne, ça va. Bon, elle sera relookée pour la semaine prochaine. Hein. J'ai l'impression qu'elle a pas du tout le même visage que sa sœur. Donc, on verra. Hein, on verra bien ça à l'adolescence, de toute façon. Une de plus à relooker. Oui, c'est pas comme si je venais d'en relooker deux juste avant, ça va. Salut Salomé, comment vas-tu? Une merguez n'est pas une saucisse. Eh ? Merguez est allée voir Jacqueline. Ah ! Heureusement qu'elle l'a pas mangé. Oui, c'est vrai que Jacqueline, elle aime bien les saucisses. Elle. Mais saucisse étant mourue, c'est Merguez qui est parti. Il s'est dit, ça va, je m'appelle Merguez, je risque rien. Enfin bref, ça c'est des histoires de live. Hein. Qui normalement devrait peut-être, si j'ai le courage et le temps, de faire des petites vidéos best-of, vous aurez les aventures de Jacqueline en Égypte sur les Sims 3. Voilà, voilà. C'est un petit teaser. N'hésitez pas à pré-liker, pré-commenter et pré-partager. Vous avez un titre? Il va écrire un livre de fantasy. Il n'y a pas besoin... Oui, Quentin, parce que j'ai mis le lit d'escapade enneigée et qui n'a pas besoin. C'est un lit qui est déjà anti-monstre à lui-même. Donc, en gros, le lit que je mettrai dans tous mes challenges. Hein, tous mes challenges, ce sera ça. Sauf bien sûr Lord Envy, parce que ce n'est pas un design de l'époque. Donc je pourrais pas le mettre. Alors, un titre de livre, s'il vous plaît, dans le chat. Allez, Merguez à la conquête de l'espace. Ça, c'est fait. J'espère que ce sera un best-seller. Alors, pour son taf, lui... Ah oui, il doit encore publier 6 livres et écrire 3 livres excellents. Et pour son taf, il doit lire des livres. Donc ça va. Il va lire son propre livre une fois qu'il aura terminé. Elle va aider, elle aide sa fille, c'est très bien. Et l'autre à l'école, bon, bah, elle va réviser un petit peu. Tiens.
Elle travaille qu'une heure par jour à l'école, ça va, le reste du temps elle glande. Ça va! Bravo! J'ai l'impression qu'elle pourrait ressembler à sa mère quand même. À voir, merguez à très fin! Oh, hey, mais j'ai merguez! Ah, mais ça, c'est merguez. C'est l'aventure jusqu'en Égypte, ça a été long, hein. Tiens, mon petit mergouzouné. Oh, oui, mon biquet. Ah, c'est bien, ça fait monter la responsabilité aux enfants. Tu l'avais pas déjà fait avec Roger? Oh, il y a peut-être moyen. Bah, écoute, c'est le deuxième tome. Premièrement, t'as Roger dans l'espace, et après, t'as merguez dans l'espace. Voilà, comme ça, elle est contente, elle s'occupe des animaux. Est-ce qu'elle va se faire mordre le nez encore? Bah oui, ouais, bien sûr. Ah, c'est saleté, hein. Et ils en loupent pas une, hein. Ah oui, c'est vrai qu'on a trois lits ici. Bon. Tiens, tu vas demander à maman de t'apprendre à pisser. Ouais, on veut bien voir Émilie. Allez, ah mais tu sais y aller? Je me souviens plus. Pourtant t'es pénible. Ah donc on t'a appris? Ah c'est cool. Alors Gertrude. Oh alors elle. Alors elle. Elle m'inspire pas confiance. Ouais des beaux yeux bleus. C'est qui? Émilie Cheverny. Tu vas essayer de la calmer. Au pire on la met dans le congélateur, hein. Ça va la calmer forcément ça. Ça la calmera forcément le congélateur. Ça c'est certain. Hein. Faut pas prendre le courrier toi. Tu te calmes, hein? Hé, hey, va chier un coup, tu te sentiras mieux. La gosse se fait bouffer. Quelle gosse? Mais! Ça commence. Elle aurait une qu'elle soit bambin ou quoi? Ah! Commence déjà à m'emmerder. On s'en fout! Tu te tais! Petite conne. Va prendre ta douche, tiens. Ah non. Bon, l'autre, elle se sent mieux, sa copine? Bah, c'est parfait. Tu vas faire une grimace? Tu vas faire l'imbécile? Discuter sans intérêt. Bon, alors, mon piquet, t'en es où de ton livre là? Tu l'as pas encore fini? Ça fait quand même une ou deux heures que t'es dessus. Tu devrais l'avoir fini quand même. Ou pas. Tu vas aller au boulot demain? Oh là là, qu'est-ce que c'est chiant. Hey, on n'a rien vu. Écrire, reprendre... Quoi? Quoi? Écrire. Ah oui, c'était bougué. C'était bougué. T'as attrapé quoi, toi, encore? T'as fait des saletés dans les chiottes? T'as attrapé des mycoses? Je suis affreuse avec les gosses. Déjà, Quentin? Bah écoute, bonne nuit à toi. Vache, 19h40, quand même. Eh bien, merci Cam pour ton follow, bienvenue à toi. Alors, remarque, c'est vrai que tu peux parler à ta sœur. Elle a grandi, elle sera plus intéressante pour toi. Ah, Red Chamelou, il est insupportable. Lui, c'est pas être au chômage une journée. Vous êtes super calme hein, dans le chat, hein. Vous me faites un peu peur là. Je suis encore en ligne ou quoi? Je vais vérifier ça. Apparemment, je suis encore en direct. C'est rassurant. Yes, t'es en ligne. Ouais, je commençais à douter moi. Oui, ils sont calmes, bah oui.
Alors, vous dites pas de saleté? Voilà, il a fini son bouquin. Il est très bien. C'est très bien. Tu vas le lire, ton bouquin, tiens, même. Ouais, Merguez à la conquête de l'espace. Tu vas nous dire si c'est un bon bouquin ou pas. Oui, oh, il est vénère. Il est vénère, mais il est beau. Donc, il a le droit d'être vénère. Ah. Oui, c'est bon, là, on a compris. Ta femme, elle va te détendre. Hein. On te dira pas comment. T'inquiète pas, je suis juste shootée par ma journée. Ah, oh, ok. Tu me fais peur, vu comment tu leur râles dessus. Trop peur de faire discuter. Mais non, pas vous. Mais aussi. Merci Léonie pour ton follow, bienvenue à toi. J'espère que tu vas bien. Non, mais d'habitude, vous commentez un peu plus, c'est pour ça. J'ai l'impression d'être moins seule, c'est tout. Parce que là, je suis toute seule devant mon ordi, même mon chat, il s'est barré. Bah, il a fait sa star tout à l'heure, il peut pas la faire tout le temps. Oh, et t'es chiant, chaman, t'es chiant. Allez, vas-y, lis ton bouquin, là. C'est ton propre livre et tu te fais chier. Ah, si, c'est bon. Quoi? Mais quoi? Mais lis ton livre, Jean-Claude. Lis-le. Lis-le. Oh putain, le livre est complètement buggé. Il est buggé dans le plancher. Ah, ce jeu. Ce jeu me fera toujours des histoires. C'est pas possible. Comment veux-tu? Oh, il bouge en plus! C'est un livre qui bouge! Regardez-moi ça. Ce livre est vivant. Il remue la queue. Parce qu'il est content. À la tienne, Gachel. Oh. Salut Noah, comment vas-tu? Eh ben, je vais bien, Léonie, merci beaucoup. Peut-être un petit coup de berre, mais ça va. Regardez! Vous l'avez vu bouger? C'est comme dans Phasmo. Oh. Événement paranormal. Renommé. Ah, en plus, on les renommé. Bon, t'es bugué, hein. Tu me saoules. Lis-le. Ah, il doit pas être intéressant, son bouquin, quand même. Qu'est-ce que tu veux, toi? Jacqueline. Oh, bah, regarde la télé, un peu, peut-être. Tiens, regarde la télé. Elle a fait ses devoirs, je sais plus. Merci beaucoup, Noah, pour ton follow. Bienvenue à toi. Non, elle a pas fait ses devoirs. Bah, tu feras tes devoirs après. Oh! Maman, elle a des boutons. C'est pas grave. Ça l'empêchera pas d'aller de gueuler dessus. Ça l'empêchera rien. Nous, on gueule, hein, quelle que soit la saison. Tu auras pas mis le trait paranormal, là, non? Non, pas besoin. Non, moi, j'ai des bouquins qui bougent tout seul, tu vois. Il y a des pages qui frémissent. Melba va finir en purée. Ah oui! Purée de pêche. Ouais, en chameur, ouais. Vas-y, pourquoi tu gardes des assiettes Oh, tu vas aller prendre un bain après. Un bain de mousse, toute seule. Ça va te calmer tes ardeurs. Toi, je t'ai à l'œil maintenant. Ouais. Je pense qu'elle est covidode aussi, celle-ci. Eh, tu vas manger des restes? Non, pas le gâteau. Non, pas le gâteau. On n'en a qu'un. On a encore besoin pour ton frère. Ça, allez hop. Mais il est encore bugué, lui. C'est pas possible. Il veut pas lire son propre livre. Je vous dis, il doit pas être terrible, son livre. Tu vas tout vendre. Allez, tu vas te calmer, mon petit. Tu vas aller faire un pipi, là. Et tu vas me refaire du yoga. Ah, et on peut évoluer ici. Hop. Bon, sûr, au niveau du jardin, on va pas faire plus, hein, moi, je vous le dis. Et hop. Parce que là, il va pas bien. Bah, quoi que j'aurais pu aller le faire aller au travail, en fait. Parce que comme il est bourreau de travail,
Oh, bah tant pis, comme ça il a écrit un livre. D'ailleurs, un livre, est-ce que ça nous a fait avancer? Non. C'est pas un livre excellent, bah, c'est pour ça, hein. Roger, là, non, Mergaz, la conquête de l'espace n'est pas excellent. Comme ça, on le saura. Confionne. Tu n'avais pas fait des pièces en haut pour les chambres? Bah aussi, Laura. On a fait tout à l'heure la chambre de la deuxième. Sauf que la troisième chambre, ce sera pour le garçon, là en bas, parce que c'est le dernier de la famille. Voilà. Ça a toujours été prévu comme ça. Salut Anaïs, comment vas-tu? Qu'est-ce qu'elle fait encore à bouffer là? Bah, va pisser, te laver et te coucher. Dégage. Non. Pas te coucher sur le canapé. Hein. Toi, tu veux quoi? T'as fait tes devoirs, toi? Oui, il me semble. Hein. Ouais. 22 h, allez, tu vas aller au lit. Tu vas aller au lit. Tout simplement. Qu'est-ce que c'est que c'est? Macarons aux amandes? Comme ça, tu t'es dit, moi je vais me faire un macaron aux amandes perso, sans faire pour les autres, quoi. Alors que le pauvre chamallow qui arrive à écrire des livres en une après-midi. Oh! Et ben lui, elle lui a rien cuisiné. C'était beau ça. Mais vous suivez ou pas? C'est ça, un petit peu. Je suivais pas, je faisais ma vaisselle. Ah ouais, puis j'ai été super rapide à faire la chambre parce que j'ai repris exactement les mêmes meubles que là en fait. Donc vraiment, il n'y a rien d'exceptionnel. C'est juste l'agencement qui change un peu. Hop, comme ça il fait un peu sombre dans sa chambre. Voilà, c'est juste, elle a exactement la même chose. Et le troisième aura exactement la même chose. Mais là, il bah, faudra que je déblaye parce qu'effectivement on a trois lits pour bambin alors qu'on n'en a plus qu'un seul. Mais c'est pas grave. C'est pas très très grave. Style de vie obtenu, Sim sociable. Non, 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 vaisselle. Oui, bah t'as tes chaleurs, ça me regarde pas. Lui, ah ouais. On en est où la compétence? Ah, on monte tout doucement, hein. Oh purée, mais à chaque fois ça me fait mal quand il fait ça. Ouh. Il a le choix du lit. Ah ça c'est sûr. Là il a le choix, hein, le gamin. Ça s'appelle comment déjà? Toya. Toya. Ouais, tu vas jusque 70. Allez, 70. C'est bon. Ah, tu peux t'arrêter, Biquet. Tu vas me prendre une petite portion. Prendre des restes. C'est bien qu'ils aient ajouté prendre des restes pour les adultes aussi maintenant. C'est beaucoup plus rapide. Parce qu'il y avait que les enfants qui pouvaient faire ça. Maintenant, bah, il y a aussi les adultes. Et ça, c'est bien. Pas m'y risquer. Non, moi non plus. Franchement, bah ma colonne vertébrale, j'y tiens un peu. En fait, j'y suis attachée, hein, littéralement d'ailleurs. Donc, je vais m'abstenir un peu de. Oh là là, il est vénère. Tiens, tu iras publier, vendre à un éditeur. Un livre. Oui, c'est un livre fantastique, mais pas de bonne qualité. Qualité normale. Tu me déçois, hein, Chan. Tu me déçois. Ouais, ben, bah, tu manges et après tu vas au lit. Promis, juré, craché, ravalé. On n'a plus qu'un seul gosse et on est tranquille. Oh. Alors que Roger s'éclate dans son sable, comme d'hab. Ouais, attention, niveau faible. Pour l'instant, ils sont pas en phase de mourir, donc ça devrait aller. Ah, les dodos, et après lui il va enfin les travailler, il va mieux se sentir. Et quand on y est, je sauvegarde pour éviter de devoir tout recommencer, on sait jamais. J'étais sûre que les adultes pouvaient prendre des restes. Ben moi avant, non. En fait, j'étais toujours obligée d'ouvrir pour choisir ce qu'ils allaient manger. Parce que sinon, quand je cliquais sur manger, en fait, ici, parce que ça, c'est des raccourcis, si vous n'êtes pas au courant, hein, vous pouvez les envoyer à la douche juste en cliquant sur là-dessus, l'envoyer épicé juste en cliquant là-dessus, mais par contre, vous choisissez pas où. Donc, il peut y avoir des dramas. Et pour manger, ben, ils pouvaient très bien se faire un barbecue et tout, et ben, c'était chiant, en fait, parce que sachant qu'il y avait déjà de la bouffe dans le frigo.
Donc non, j'étais toujours obligée d'ouvrir et là, ben, c'est plus le cas. Donc, je suis très contente qu'ils aient ajouté ça. C'est pas grand-chose. Moi, j'adore. C'est beaucoup mieux. Comment on fait pour avoir le mode créatif sur PC? Je sais même pas de quoi tu parles. Donc, je ne suis... Et puis bonjour à toi, Lazare. Je ne sais pas de quoi tu parles, donc je sais pas. Je peux pas t'aider. Oh là! Oula! Oula! On a un monstrosaure qui est réveillé. Ils vont nous dire, mais Tonya a faim, voyons! Tu veux de la... Hey, tu veux de la glace à goût de régime? Tiens, mon gamin, tiens. Mange! Mange de la glace régime, t'en as besoin. Mange la glace régime. Qu'est-ce que tu viens faire, toi? Ah, tu viens faire des câlins. Dis donc, tu t'excuses, wesh! Oh, la saleté! Si, mais j'ai des gosses, c'est des vrais thugs, hein, je te jure. Oh là là! Oh là là! Tu peux nettoyer? Oui! Bah, tu vas nettoyer. Ça te fera les pieds. Il fallait pas gueuler sur le nounours. Alors, elle est bonne, la glace? Hein? Tu vas devenir tout mince? Ah, le mode qu'on a infini d'argent, eh ben c'est pas un mode, c'est juste tu rentres en mode construction. Au lieu de faire inviter un sim, c'est j'ai fait une vidéo là-dessus où je l'explique. Alors par contre, faut que je la recherche parce que là, comme ça, je l'ai pas. Je l'ai pas sous la main. Hop. Eh, taper sur mon plafond, c'est pas grave. J'en ai pas besoin. Alors, je vais te la donner tout de suite. Et c'est ici, tac, voilà, ça c'est la vidéo où j'explique les bases de la construction et à comment avoir l'argent infini. Avec plaisir, Lazare. Pardon, je m'étouffe. Arrête avec le bambin. Non. Suffit. Oh. Yeah. Mais moi j'ai faim, mon sang. Ah, tu bouffes, hein. Il reste quoi dedans? Ah bah il reste encore... il reste encore du... Du cake aux fruits de notre cher Copper. Qui n'a pas encore pourri depuis le temps. Non, 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 tu prends une portion. Non, tu ne... Oh. Voilà. Vous pouvez vous servir là. Toi aussi. Non, pas pour le déjeuner, juste pour manger. Et toi aussi. Allez. C'est la foire au cake aux fruits ce matin. Parce que il est mort depuis quand même un sacré bout de temps, mais il est encore bon. Je vous demande pas le nombre d'additifs qu'il a dû mettre dedans, Copper. Hein. Quoi, popopo, sexy chamallow. Ah oui! Sexy babes, hein. Eh! Est-ce que ce serait pas le deuxième beau gosse préféré sur la chaîne, là? Oh bah, y a Copper était pas mal, Bordeaux était sexy aussi. Ça va, au niveau des mecs du Notsoberry, on était bien. Hein. Regardez! Il a sorti son zizi goui goui. Ah, on voit rien. Il y a rien. Il a... Oh. Par contre, je suis pas sûre qu'il soit bien monté. Eh, arrête de bouffer, toi. Ça se marre, ici. Mais m'énerve, elle. Et t'as toujours un truc qui va pas. Et les gosses vont à l'école. Ça, c'est bien. Mais tu vas aller bosser, chamallow. Ça va aller, t'inquiète pas. Tu commences à 11h. Je vais travailler. Ah ouais, Copper. Ouais, il avait une belle gueule. Dispo sur la galerie, hein. De toute façon, on pouvait vous faire plaisir. Hein.
Et bientôt, bon, Cham Cham le rejoindra. Bah, on a Cham Cham version bambin sur la galerie, si vous le voulez encore. À quoi, qu'est-ce que tu pourrais lui apprendre à ton fils, d'ailleurs, toi, vu que t'es dispo? Qu'est-ce que tu vas lui apprendre? Parce qu'il en reste plus qu'un, donc autant en profiter. Apprendre à parler, tiens, allez, hop. On dirait qu'il est en train de... On dirait qu'il est en train de juger son gosse. Et qu'est-ce que tu fais, toi, espèce de gros tas, là? Tiens, je te dislike. T'es agressif, hein. Mais lui, il va être content, il va aller au boulot. Il est que 9h du mat. Arrête. Fleurs en papier de soie. Est-ce qu'on offre les fleurs pour illuminer la journée ou garde les fleurs pour soi? Qu'est-ce qu'on fait? Ouais, colère. Il va faire caca après. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on offre? On les garde. C'est pour qui? C'est Melba. Ah, c'est le jour de l'amour. Bah, j'ai même pas fait gaffe. J'avais même pas fait gaffe, c'était le jour de l'amour. Moi, pff, les jours fériés, j'en fais même pas attention. Je fais même plus attention, force. On donne, on offre, on offre. Bah, vous êtes d'humeur généreuse ce soir. Quand j'attends encore une réponse, et je le fais. Allez, c'est parti. Après l'école, Melba a vu une petite fille triste sur un banc. Elle est alors lui donner son bouquet de fleurs en papier de soie. En voyant ses cadeaux, son visage s'est décomposé. Non, s'est illuminé et a serré Melba très fort dans ses bras. Et pff, ça a fait des chocs à pic. Le professeur avait raison. Rendre spécial le jour férié, jour de l'amour de quelqu'un est vraiment gratifiant. C'est bon. Alors, il va écrire encore un autre livre de science-fiction. Qu'est-ce qu'on va lui mettre comme titre, les enfants, si vous avez... Ouais, c'est la Saint-Valentin. Qu'est-ce que vous avez comme titre en science-fiction? Une vraie science-fiction. Genre Shirley atteint les autant d'abonnés. Faites tourner. What? I don't understand. What are you saying? Quand une pêche rencontre E.T. Parce que ça veut rien dire, Marcel, ce que t'as écrit, hein, franchement. Allez, on va prendre le titre de Laura. Oh, Laura. Quoi? Oh, c'est gosse. Vivement qu'il aille bosser, parce que là, il me saoule. Je disais, faites chauffer vos cerveaux. Ah oui, non, mais là, là, ça va... Oui, là. Ah, bah, on va encore offrir les fleurs, alors. Hein. Voilà, comme ça, elles seront contentes, les gamines. Ok. Pardon. Il commence à 11h, hein. Pour l'instant, il bosse. Mais tant qu'il va pas bosser, il sera pas bien. Oh, c'est bon. On va se calmer. Et là, c'est comme ça que t'apprends à ton fils, mais... Non! C'est quoi ce harcèlement, là? Je vais porter plainte, hein. Je pense qu'elles sont toutes à fond sur Cham et qu'elle même... Ouais, même sa sœur. Oh ouais, non, mais elle a vu Game of Thrones, elle s'est dit, autant, c'est mon frère jumeau, hein. Si Cersei, elle a réussi, Hein. Ah là là. Non, mais Cersei, c'est une frappée du bulbe, aussi. Comment vas-tu, TP... Oula, alors, TBPL14. Bonjour. Tu joues avec quelle extension? Avec toutes. J'ai tout, absolument tout.
T'as vraiment dit faites tourner pour dire faites chauffer le cerveau. Ah ouais, non, mais, Martial, je pense qu'il est fatigué aujourd'hui aussi. Il y a quelque chose qui tourne plus d'ailleurs, ni qui chauffe ni qui tourne. Tu sais. Et le gosse, il a pas faim. Ah, mais par contre, il doit faire pipi. Pipi, allez. Alors. T'arrêtes ça tout de suite avec les chiottes. Mais. Ça quoi? C'est vraiment un petit goré celui-là. Voilà. Allez, fais ton petit caca là. Ton caca mou, j'en sais rien. Allez, vous allez réviser aussi les filles. Parce qu'il faut que vous ayez des bonnes notes. Ça va, tranquille toi? Ouais, il y a encore de la bouffe qui traîne. C'est pas la Boostify, c'est la bouffe qui traîne. Bah, c'est lui qui mangera. Minuscule rancheur, grande aventure, Roger vous a apporté une carte postale. Encore? Tu es dans, mais tabarnak. Ouais. J'espère que c'est une qu'on n'a pas. Oh, mais... C'est chant les Sims encore. Bon, on va pas râler, mais... On l'a déjà. Alors, je vais mettre celle-là ici. Ça c'est les extras. Hein. C'est les cartes postales extra de la... des rongeurs. Merci hein, Roger, prochaine fois essaie d'aller ailleurs s'il te plaît. Juste comme ça. Ouais, lui il peut rien faire, donc ça elle. Allez, va jouer avec eux là parce que ils sont pas bien. Qui c'est ça? Non, on veut pas. Barre-toi. On veut pas de serpillère. Oh, ce look. Remarquez, elle a au moins fait correspondre la couleur de ses bottes à son Bermuda, mais. Avec les yeux shootés comme ça, meuf, t'as une mauvaise influence sur nos enfants. Salut Béatrice, comment vas-tu? Vous avez fait quoi encore vous deux la nuit dernière? Pas rien du tout. Malheureusement. Merci TBPL14. Faudrait que je trouve que c'était difficile ton pseudo quand même. Hein. Merci beaucoup pour ton follow et bienvenue à toi. Larkem. Oh, il est beau Roger, hein. Roger avec sa petite chemise de à la joueur du grenier quand même. Il est pas dégueulasse, hein. Non, en vrai, c'est juste que comme je me lève un peu plus tôt en ce moment, forcément, si je me couche plus tard, bah, je vais être plus vite fatiguée. Puis je marche, là je suis sortie, je suis allée au parc aujourd'hui. Je suis allée au parc derrière chez moi, le parc où j'ai été que deux fois depuis que j'habite là. J'ai en fait, il faisait beau et tout. Bah, il a fait 20 degrés aujourd'hui, j'ai pas capté. En fait, j'ai crevé de chaud avec mon manteau, mais j'avais pas vu qu'il faisait aussi chaud. J'ai pas compris. Je pensais qu'il faisait 10 degrés, moi. Bah non, il faisait 20. Oh, j'ai trop chaud. J'avais trop chaud. J'ai dit non, mais. Hein, on va remiser le manteau là, c'est bon, il ressort plus avant le mois d'octobre-novembre, hein, c'est bon. Et salut Mamie H, comment vas-tu? Aïe aïe aïe, Mamie H, trop d'émotes, désolé. Nightbot, il t'a fait une fessée là. Sorry. Alors, il m'a mangé. Bon, je sais bien. Oh bah, il est un petit peu fatigué, on va le foutre à la sieste, allez. Je vais me faire une sieste, mon petit biquet. Ah, est-ce qu'on pourrait pas retravailler un peu avec Jeannette, là? Bon, lui, il est parti bosser. Ça va, il travaille dur, il est content. Ah non, sans emploi. Il est toujours sans emploi. Sans emploi, mais content d'être au boulot. Alors, Jacqueline, tu vas t'habiller. On va te prendre un contrat, ça fait longtemps. Voilà, on va... Ah, tenue habillée pour petit chéri. Prenez des photos sympas d'enfants en tenue chic. Non, 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 ça fait un peu pédophile, là, j'ai pas envie, non. Campagne publicitaire pour la piscine locale. À bord de son image, les photos de Sims qui s'amusent en maillot de bain. Nickel. Prendre une photo de Sims en maillot de bain. Alors, on a que notre fils sous la main, là. On va attendre que tout le monde rentre, ou pas? Est-ce que... Ah, mais si, on peut appeler l'autre, là. Je sais plus comment il s'appelle. Philippe! On va appeler Philippe. Je suis sûre que Philippe, il va s'éclater.
Il va s'éclatax. Ah non, pas elle, parce que sinon on va rester coincé chez nous pendant 10 ans. Bon, Amandine. Ah, ça y est, les jeunes adultes. Ah, elle veut plus, elle veut pas venir. Non, ce que j'ai dit, jeune adulte, elle peut se mettre en maillot de bain. C'est pas, c'est moins cringe que si elle était ado. Allez, Patrick, Philippe et Amy. Oh, calmez-vous. Indépendant. Discuter. Ouais, comme ça, ils vont faire à deux, là, ça va être bien. Discuter des tendances de mode, voilà. Coucou, Amy. Alors, ils vont être superbes. Ah, les deux ensemble, là, ça va être beau. Hein. Ça va être beau. C'est quoi cette robe que t'as? Ah ouais, c'est celle de la fête, comme ça? C'est déjà la rentrée? Oh, magnifique. Alors, on va sortir l'appareil photo. J'espère que juste ça va pas bugger. Ouais, je peux pas le mettre ailleurs, c'est fou ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah! J'ai pas compris moi sur le coup. Et va voir ton maillot! On va te mettre un peu plus de couleur, Biquette, si ça te dérange pas. Avec une rousse. Ah, j'ai eu peur, hein, j'ai pas compris ce qui m'arrive. Non, ça te va bien. Allez, le petit maillot, ça te va bien. Normal, elle reçoit des gens en petite tenue. J'espère que Chamcham est pas jaloux. Alors, on va essayer d'un... Ouais, mais Chamcham, il bosse, j'allais dire. On va essayer de l'inclure sur la photo, mais je crois qu'il pourra pas bosser. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Maquillage pour la photo. Ouais, Oui, bah, elle a pas besoin. Alors, j'étais en train de disposer mon appareil, qui du coup n'est pas disposé. Donc, je disais juste que j'espère qu'il va pas... Il va pas être pété parce qu'on est sous la flotte. Attends. Alors. Oui, ça fait longtemps que je l'ai pas faite, hein, cette truc. Montrer, planifier des tenues. Ok. Demander de changer de tenue. Et toi aussi. Toi, on veut même pas savoir ce que tu veux. On va juste te demander de changer de tenue. Voilà, tu vas mettre ton petit maillot. J'ai déjà hâte. Je veux la surprise. Prendre une photo. Deux. Mais qu'est-ce qu'elle fout encore, elle? Ah non, hein. Elle est où? Je te jure qu'elle a pas intérêt à squatter à la maison. Je la déglingue. Je la tue. Ah, je veux avoir la surprise. Non, je veux pas voir. Maillot de bain. Je vous jure, je vois pas. Vous avez vu, moi j'ai pas vu. Je veux pas. Oui, c'est l'MC Command Center, ouais. Pareil, j'ai fait une vidéo, si tu veux, pour voir comment il fonctionne. Dans les grands traits, parce qu'il y a beaucoup... Oh, 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 oh. Magique. Magique. Ah, ça va être beau. Ah, ils vont faire des belles photos. Oh, ils sont tous les deux shootés as fuck. Hein. Alors, on va faire des grandes photos. Non, c'est pas... Ah oui, regardez ça. Ah, nous on s'amuse, on est les meilleurs amis du monde. La 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 la. Ah oui, on échange. Vous avez que ça comme... Alors pour le MCC, c'est MCC, tout simplement. Ça envoie du lourd. Ah, ça, c'était sûr. Mais ils ont pas beaucoup de pauses, hein, les Sims, là, par contre. Ouais. Ah, ça, c'est la même pose. Ouais, alors, ça fait un peu bizarre, parce que c'est la même pose qu'on a chez les... qu'ils ont fait, eux. Ah, vas-y, mais change la pose, là. Parce que là, on dirait que t'es en train de le draguer, en fait. Ça fait un peu peur. Bah ils y tiennent. Ok, super les pauses. Ah, c'est pas mal ça. Ah, par contre...
Va falloir travailler sur des nouvelles poses, hein, les Sims, parce que là... Magnifique. Ah, Philippe, il casse tout, hein. Alors, ça, c'est... Enthousiaste, détendu, amusant. Bah ouais, mais amusante, bof, quoi. Bon, après, celle-là. T'as vu mon nouveau mec? Droit sur mes boobs. Ça drogue, c'est mal, c'est ça. Bon. Très bonne réputation. C'est super. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme belle photo qu'on va pouvoir envoyer? Forcément, on va s'intéresser un peu de temps en temps. Alors, pas celle-ci. Celle-là, elle est rigolote. Là. On va en envoyer quand même. Bon, elle dit, on a quand même des sympas. Vas-y, indépendant. Tu veux un peu celle-là, après celle-là. J'en envoie trois, comme ça je suis tranquille. On va les envoyer toutes les trois. Ils sont beaux. Ah, c'est des beaux mannequins. Et tu vas récupérer ton appareil parce que avant qu'il claque. Alors, toi, tu t'amuses très bien. Tu vas faire tes devoirs maintenant. Hop. Il y a un gamin qui est en train de chialer là au-dessus, là, je l'entends. C'est coincé dans le. Tu t'es coincé dans le placard, mon petit biquet? Tu veux de l'aide? Qu'est-ce que tu fais? Je commande plus parce que. Je ne dirai plus rien. Nanana. Partager ses incertitudes. Donner des conseils d'éducation. Tu la connais au moins un peu? Ah oui, tu la connais pas mal quand même, au final. Le jure de la mûre. Mais, hey. Sans emploi, hein. Il est encore sans emploi. Hein. Ah, il a approuvé la photo. Même les trois. On est trop fort en photo de mode. Écoutez, moi j'en doutais pas, mais comme ça vous le savez. Ah, mais c'est quoi cette vidéo, ce lien qui est beaucoup trop long en vrai? Faut que j'enlève le A-list pour le MCC. Très bien. Chacham faut se détendre. Ouais, mais il veut être sûr d'avoir un taf, tu vois. Quand il va rentrer, ça devrait aller mieux, mais est-ce qu'il lui reste encore 4 heures? Ah, fais voir là le petit roux là! Laurent Garnier. C'est pas comme le mec qui fait des shampoings? Yeux bleus. Un petit rose yeux bleus, pourquoi pas, hein? Qui sait? Allez, vous allez vous présenter les femelles là. Les filles, pardon. Excusez-moi. C'est Melba qui ramène déjà des garçons après l'école, hein? Qu'est-ce que ça va faire quand elle sera ado, moi, celle-là, je vous le dis. Par contre, t'as un petit problème de bras, mon petit. Par contre, lui, il fait un peu pédo, hein, quand même, là, comme ça. Juste, je dis ça comme ça. Par hasard, quoi. On est dans la chambre des gamins. Oh, petit bichon! T'es tristesse! Oh, mais non. Ouais. Tu peux laver ça. Lui, il a besoin de divertissement, le petit biqueton, là. Bah, tiens. T'as un chat ici. Joue avec le chat. Ouais, il finit à 19 h, hein, donc on a encore un peu de temps. Tu peux discuter avec elle et avec lui là, qu'il arrête de raconter des trucs à tes gosses peut-être. Se renseigner sur la carrière. Laissez les gosses tranquilles, Philippe. Ça va aller. Tu n'as pas pris d'animaux dans ta famille? Ah non!
Non, non, malheureusement, parce que c'est... Les places valent cher dans mes challenges à chaque fois, et les animaux prenant une place, ça m'embête. Bon, là, il y a un peu de place et tout, mais... Les animaux demandent trop dans les Sims, je trouve, donc... trop d'attention, trop de choses. Bah si, on a deux hamsters. Et crois-moi qu'ils demandent déjà pas mal d'attention. Oh, il a été promu blogueur. Ma bichon, t'as rien demandé, hein, t'étais pas obligé. Tu vas... Allez, joue sous la pluie. Joue sous la pluie, ça va te détendre. Ça va mieux? Tu as faim? Moi aussi, je te rassure. J'ai un peu faim. Non, pas le gâteau. Oh, bah, bon, maman va faire à bouffer. Parce que... Servir le dîner. Les macaronis au fromage. Non, si, tu vas y aller. Si, ah si, je te confirme que tu vas aller faire à bouffer. C'est où? Alors, les boulettes de viande à l'italienne, ça passe. Là, il y va pas. Elle y va pas. Elle y va pas. Lui, il y va pas. Donc, t'as rien à dire. Qu'est-ce que tu... Pourquoi tu veux parler à quelqu'un dehors, là? Qu'est-ce que tu fais? Non, mais ça va. Eh, hey, joue sous la pluie si tu veux. Elles sont contentes. Elles ont vu leur papa. Toi, tu peux aller pisser, tu peux être lavé, tout ça. Et lui, content. Je suis content. Je voudrais voir si vous entendiez les coups dans le plafond. Oh, qu'il est beau comme ça. Oh, parfait. Il est heureux de vivre. Hein? Il est content. Il a sa nouvelle vie. Melba a le charme de son père. Ah, je sais pas. Je sais pas du tout. Je dis pas que c'est pas le cas, mais à voir. Ouf. Vas-y que ça tape. Mais casse-toi. Non. On veut voir personne. Nous, on est... Attends, elle a été aux toilettes alors que sa sœur a été sous la douche. Quand je parlais des Lannister tout à l'heure, c'était une blague, hein. Que même. Qu'est-ce que tu fous, toi, hein? Appelle ta famille. Ah, hein. Oh, j'ai faim, les enfants, vous avez pas idée. Il voit la vie en rose. Ah, ça. T'aide. Bon, toi, mange pas, t'as pas faim. Et toi, t'as pas attendu, entendu l'appel Toi, t'as pas faim non plus, en vrai. Toi, va dormir, mon petit. Qu'est-ce qu'elle a attendu? Allez, tu vas aller draguer ta... Ils sont tous les deux tendus, tu sais. Mais arrêtez d'aller toujours sur ces lits de bambins, c'est juste pas possible. Toujours des coups, hein, c'est pour ça. Hey, tu as lu... Hey, c'est le jour de l'amour, là! Oh, c'est vrai qu'ils sont même pas mariés. Incoya Slump Langi. Flizza. Moosty. Aboucharb. J'ai oublié que c'était pour marier, moi. J'ai faim aussi. En fait, j'ai réussi à installer MCC. C'était moi qui avais mis un commentaire. Ah, ok. Bah après, moi, j'ai... Quand des fois, on me dit, bah, j'ai fait tout ça, mais ça marche toujours pas. Bah après, moi, je peux pas vous aider, en fait, parce que, ben... Je suis pour développeuse de mode, et puis c'est pas mon mode, quoi, donc... Je peux pas mieux faire que vous dire comment on fait. Un petit mariage vite fait. Ouais, pour le jour de la mûre. Mais tu te calmes, wesh, à côté, là. Fais péter un truc à la gueule, elle, tranquille. Mais oh. Grape.
Crow, Maisie Grow, Craybow. Coucou Banner, comment vas-tu? Ah oui, t'as oublié d'activer la lecture des scripts. Ouais. En général, c'est pour ça que ça marche pas. Et il faudra te dire que dès qu'il y a une mise à jour, genre demain, si la mise à jour est bien demain pour les anniversaires des Sims, eh bien tu devras le réactiver parce que ça se désactive toujours automatiquement. On dirait c'est des poèmes d'amour. Là, il y a eu un sacré truc. Hein. Enfin bon, je suis pas là pour vous faire écouter le bordel de mes voisins. Hein. Surtout que c'est de ma faute. Tiens, aujourd'hui dans ma jardinière, c'était un petit bout de truc d'enveloppe qu'on ouvre en fait. Voilà, j'ai retrouvé ça dans ma plante. Bah, sachant que ça sort. Ça vient pas de. Du Saint-Esprit. Donc je l'ai mis dans la boîte aux lettres. Bah, il commence à faire beau. Hein, donc. Commencer à faire ça, hein. Faire des allers-retours dans la boîte aux lettres avec ses ordures, elle. Ah, bah voilà. Alors, non, avant, tu vas aller faire crac-crac. Vous allez vous faire un petit crac-crac, là. Amour, enlacé. Amour, embrassé. Alors, comme il est froid, on va passer par elle. Parce qu'elle, elle est chaude. Alors, tu veux lui offrir un truc? Alors, tu chrysanthème, c'est ce qu'il t'avait offert déjà une fois. Et toi, qu'est-ce que tu veux lui offrir? Oh bah, une marguerite. Voilà, comme ça, ils vont s'offrir un truc, ils vont être contents. Oh, quelle belle marguerite! La salope, elle a pas aimé. C'est ça, ouais. Quelle heure? Eh bien, comme mise à jour, en général, c'est 19h. Mais à voir. Retire ta plante. Bah non, c'est fait pour être dehors, quoi. C'est pas à moi de recevoir leur saloperie dans mes jardinières, hein, je te ferai dire. Donc non, je vais rien retirer du tout. Et je continuerai à prendre des photos s'il faut. Et leur remettre dans leur boîte aux lettres s'il faut. On fasse une seule réflexion, j'aurai les photos. Je sais, il n'y a plus de son. Oui, j'ai mis dans la boîte. Elle devrait reconnaître ces saloperies à elle, hein. Elle va se demander pourquoi ça se retrouve dans sa boîte aux lettres. C'est limite moi qui vais me faire engueuler, vous allez voir, parce que je mets des trucs dans sa boîte aux lettres. Ah mais ça c'est certain. C'est elle qui jette ses merdes par la fenêtre et que c'est moi qui les récupère, mais c'est moi qui va être accusée de dire « ça m'a pas de mettre dans ma boîte aux lettres ». Ça c'est la logique. La logique de ce monde. C'est comme ça que ça fonctionne. Bah. Ah d'accord, elle s'est relevée pour dire « Wouhou, super !» Si vous entendez des coups, c'est normal, hein. C'est pas moi. Hein. Par hasard, à chaque fois que j'arrête, ça tape plus. D'ailleurs, j'en profite pour enregistrer, pour pas ne pas perdre. Alors, on a déjà une heure là et on n'a pas avancé pour Chama. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, va te laver, Georgette. Tu retournes au lit après. C'est samedi, hein, tu. 4h du matin. Mais moi si je pue à 4h du matin, je me lève pas. Non, mais.
toute façon, elle a pas de preuve que c'est toi qui remets, sinon elle doit admettre que ça tombe sur ton pot de fleurs, c'est ça. Oh, mais au pire, c'est moi qui le dis, hein. Ça, c'est quoi qui est de pire? Jeter ses merdes par la fenêtre dans la rue et chez les voisins, ou juste moi qui réattribue les choses qu'elle a jetées dehors? Si ça pue, tu sais que tu peux faire le ménage, hein. Oh, punaise. Ah ! Est-ce que ça a l'air con ? Ah, je rigole pas longtemps. Ouais, okay. Avec ces gosses, je rigole jamais longtemps. Jamais. Eh, si je pouvais hurler sur les gosses du dessus aussi, ce serait bien. Mais va te faire. Mais elle continue en plus, hein. Casse-toi, dégage, va là-bas. Mais bon sang. Non. Oh, mais si tu crois que tu vas t'en sortir, saloperie. Hurlez. Oh mais t'es. Oh mais toi tu vas mourir de faim, toi. Rien à foutre, tu nettoies. Elle se croit où elle? Tiens, bouffe-lui ses céréales, ça lui fera les pieds. Rien à foutre. Ça bosse. Non mais je vais pas lui parler, hein. C'est juste une grosse conne. Elle est très bien au courant déjà, hein. Je me suis déjà plaint, ça a déjà été réclamé, ça a déjà été dit. Mais bon, c'est... voilà. Ça a été dit, donc en gros, j'ai plus le droit de râler. Et que si ça change pas, bah, tant pis pour moi. Ouais. Ah oui, ça fonctionne comme ça, hein, ici, hein, sachez-le. Ah, mais ouais, mais je lui ai déjà dit. Ah. Ah, donc je me tais. Ok, j'ai noté. Qu'est-ce que tu fais? Montrer des cartes, mais laisse-le tranquille ton gosse, mais il a faim. Elle, non mais c'est bien, elle veut éduquer son gosse. Sauf que éduque-le au bon moment aussi. Là, il est... Hein? Bon. Oh, chamallow, ce... chamallow dans le bain. Je me suis perdue l'espace de quelques secondes. Non. Et encore là, il n'y a pas eu les verres d'eau. Il n'y a pas encore eu de verre d'eau aujourd'hui. Pas de plein, non? Il n'y a pas eu de verre d'eau. Mettre l'enregistrement bien fort, bah non, parce que c'est... J'arrive même pas à savoir si vous les entendez quand ils passent dans l'escalier. Mais je sais pas si on entend les coups... les coups là, dans le plafond. Ah mais c'est tout le temps, hein, c'est tous les jours, Toundra, dès qu'ils sont là, les gosses. Hein. C'est pas exceptionnel aujourd'hui, hein. C'est tous les jours. Pas de possible. Pff, pas de problème. La drôlesse, des bisous à toi. Pff, je sais plus parler. Et des bisous à toi, bon courage. Bonne soirée. Ah. Ouais. Niveau d'attention un peu faible. Oh là là, bah joue avec. Et après, faut travailler, hein, mon petit, là. Écrire, reprendre l'écriture de quand une pêche rencontre eux.
Et... Pardon. On veut pas de serpillière. Au revoir. Allez, Cham, là. Les compétences, là. On n'a rien fait aujourd'hui. On n'a même pas passé un seul niveau. Ah, puis t'es joueur, en plus. Super. Écrire un livre de genre livre des joueurs. Allez. Ça, tu pourras enchaîner. Salut, mes voisins du dessus. Je compatis. C'est bientôt l'anniversaire de Toya. Ah tiens, elle a fait un bonnet, d'accord. Bientôt l'anniversaire de Toya. On va essayer de le faire grandir, comme ça on les relookera tous en même temps. Ah oui, ça devrait aller. Allez, arrête de te plaindre un peu. Non. Nos sinflous, on les garde pour nous. C'est comme ça. Je sais pas ce qu'elle va faire, mais... Ah! Attends, prends le courrier! Bah oui! Parce qu'il y a sa... Il y a sa photo qui doit être rentrée, là. Rentrée. Revenue, rentrée. Pff. Je parle bien, moi. Je sais plus. Exceptionnel. Ouais, bah on verra sur l'ordi. Parce que là, pour l'instant, c'est Cham qui est sur le... L'ordinateur, donc c'est lui la priorité. C'est notre héritier. Voilà, il a écrit un bouquin! Voilà! Alors, crime et cornichon. Est-ce que vous avez une idée de livre joueur? De titre, évidemment. Je vous écoute, enfin, je vous lis. Allez, il faut sauver ma soldat merguez. Vous aimez bien hein, que le machin il s'appelle merguez quand même, non? Vous aimez bien ça. Ça vous fait rire. Ma femme est 24 heures en lingerie. C'est pas faux non plus. Est-ce qu'il est bon ton bouquin là? Médiocre. On va pas le mettre, on va pas le vendre. Hein. Ça sert à rien. Parce que là, s'il est jamais bien pour faire les livres, comment veux-tu qu'on finisse Aspiration? Ah! Oh! Ah! Oh! Ah! Oh! Il va arriver au niveau 9, hein? Pourquoi tu penses à des couches, toi? Oh là là, il met une bouffe n'importe quoi. Tais-toi, boss! Ouais, et deux livres dans la même journée, qui dit mieux? Ah! Qui dit mieux? Est-ce qu'il est bon? Est-ce qu'il est bien son livre? C'est un best-seller! Le soldat merguez, ça c'est... Ça marche bien. Attendez, parce qu'on va quand même vendre l'autre, même s'il est à chier. C'est parce que comme ça, il aura un livre de plus. Voilà, on est à 7 et 3 sur 5. C'est bien, c'est bien, c'est bien. L'autre, il fait son câlin, c'est bien. C'est les gosses. Non, pas le gâteau. Arrêtez de taper dans le gâteau. Non ! Ouais, mais l'autre, elle a qu'à faire... Il y a à manger. J'avais pas vu. L'autre, elle a qu'à faire à bouffer aussi. Qu'est-ce qu'il fout, lui? Attends. Va pisser, toi. Va pisser. Ouais, toi, tu... Toi, t'arrêtes. Tu vas me nettoyer ça. Je sais que c'est toi. Donc, au lieu de bouffer, tu vas nettoyer. Et toi, tu fais la vaisselle. Possible, ça. Vous tous les dirigez. C'est bien, mon petit. Allez, mange. Oh, ça y est. Ça y est. Sakura. Sakura. Elle est enceinte.
Elle est enceinte. C'est quoi ton pack d'extension préféré et ton monde préféré? Saison. Bah, dis-moi, c'est pas préféré, mais c'est indispensable. Sinon, en dessous, après, c'est île paradisiaque. Elle est enceinte. Elle va l'accueillir. Elle est enceinte. Elle a le droit de rentrer. De qui? Je ne sais pas, mais elle est enceinte. Mange! Oh! Et quoi? Et c'est une dame âgée et la voisine. Oh, il y a sa mère, mais c'est pas sa mère le problème. C'est sa mère qui est là, H24. Mais c'est sa fille qui vient. Et avec ses trois gosses à elle. Et qui font du bordel. Voilà. Pour pas qu'il tape dans le gâteau, je range dans le frigo avec les bougies. Mais je sais, c'est ce que je fais, Gachel. C'est exactement, c'est déjà le cas. Il y a déjà les bougies dessus, c'est pour ça que je veux pas qu'il bouffe le gâteau. Mais je t'ai demandé de... Oh, c'est pas possible. Restez zen, en toutes circonstances. C'est plein de l'acteur. Bah, plein de toi de l'acteur, si tu veux. Et chante une chanson d'un jour férié. Ah oui, c'est la bagarre de quartier. Quel bonheur. On est tous très heureux. Elle a pourri. Oh, purée, c'est pas vrai. Pas alone. Allez, j'ai envie que tu passes au niveau, là. Allez, un livre pour enfants. Dites-moi tous vos titres dans le chat. Comme ça, on pourra s'éclater. Dîner. Non, servir le dîner. Du bon chili. Ah, du bon chili. Un livre pour enfants. Et oui, Sakura va devenir maman. Et oui. Le petit Nobu pousse dans le bidou. Ouais. Ouais. Ah, banner, tu sais exactement comment il faut me parler. C'est ça qui est beau. Ah, non. Ah, non, mais banner, elle a su me parler. Elle a su me susurrer à l'oreille. Ah, comme moi, il fait comme moi avec les moucherons. Et j'en ai moins. Peut-être l'ère du moucheron est révolue. Ce qui serait pas plus mal. Alors, t'es enceinte de qui? On veut tout savoir. Attends. Enfant actuel. Elle n'est pas mariée. C'est peut-être Jean-Eudes, on ne sait pas. Tu mousses un banner, hein, t'aimes ça. Hein. Et casse-toi. Toi, on veut pas te voir. Sentiment obtenu. Ils sont tous malades, ils me cassent les os. Ils me cassent les os. Qu'est-ce que tu fais? Laisse le gosse. Je veux que tu pinces. Oh. Ça fait le ménage, si t'es pas content, mon sang. Voilà, t'es confiant. Allez, on est reparti. Je veux qu'il passe le niveau 9. Au moins dans une des deux compétences. Parce que bon, c'est long. Après, on a encore le temps. Ouh, pire, ils sont tous malades. Ça me saoule. Mais vous n'avez pas idée à quel point ça me saoule, ça, à chaque fois. Il a 93 années. Un peu de nerf, là. Voilà, ah, ça va mieux. Ça va mieux, mais il a quand même ses chaleurs. Non, c'est bon, on s'en fout. Allez. Oui, mais Sims sont des esclaves. Bien non. J'ai dit non. J'ai dit non. 100%. Niveau 9. C'est bon, il reste un niveau. Ah, j'ai oublié. Le jardin. Le jardin, tu peux faire évoluer et tu peux tout vendre. Pourquoi ici c'est tout vendu? C'est parce que on est à l'été. C'est... Oh bah oui, bah j'ai pas fait attention, on était déjà en été. Il est 1h du mat. Il n'y a personne de couché. Oh, lui, il a la dalle. Mais va manger un chili, ce sera mieux, hein, Gaston. Toi, tu vas pisser et tu vas te coucher. Et toi, tu vas te coucher. Mais qu'est-ce que c'est que ces gamines qui sont encore réveillées à cette heure-ci? Plus rien ne va.
hein, dans cette maison. Rien m'a pété, chiottes, caisse. Des saloperies, ces gosses, des saloperies. Des animaux. C'est des animaux. Mon cham-cham, il a bien travaillé. Il a mérité de faire son dodo. Voilà. Les gosses. C'était horrible. Oh là là. Eh, toi, va pisser, va dormir. Laisse-le tranquille, ton gosse. Laisse-le tranquille. Dormir, ça veut pas dire bambin. Oh là là, mon Dieu, il fait orage, j'ai peur, je veux avoir peur. Non, je suis triste, mais en plus, il finit pas sa bouffe. C'est un mode faire évoluer dans le jardin? Bah non, pas du tout. C'est... on l'a toujours. Ouais, niveau 2, ouais, ça doit être un truc comme ça. Alors, je vais enregistrer pour pas perdre. Cas où? Ah non. Accélération. Voilà, c'est l'été, c'est validé. Et cham 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 chamalo. Mais non, mais oh là là. Prends ta douche. Une douche. Un pipi. Et même tes enfants qui se lèvent. Tu vas pouvoir manger quelque chose. Non, pas de gâteau. Non, pas de gâteau. Non, pas de gâteau. Un petit chili des familles. Mais toi, tu... Ouais, bah tu mangeras après, tu me diras, parce que... Sinon, c'est... Oh mon Dieu, il va déjà prévu d'aller dans le frigo pendant... Oh, l'orage, il m'a cramé mon tapis. Enfoiré d'orage, tiens, tu viendras jeter ça et nettoyer le sol. Sale gosse. Oh, tristesse infinie. Nous ne pouvons plus. Vas-y, rigole. Vas-y, rigole. Rigole. Rira bien qui rira le dernier. Et crois-moi, je vais te survivre. C'est prévu. Bon, toi, tu passes le niveau 9 maintenant. Niveau 9 du machin, là. Du yoga, on s'en fout. Niveau faible. Niveau faible, activité faible. Bon. Toi, tu veux manger tes petits pois, d'accord. Bah toi, attends, tu vas venir jouer avec les machins là et ce sera bien. Après on s'en fout, tu fais ta vie. Cham. Ah il bosse. Mais on est dimanche. Oh non, je voulais qu'il passe au niveau. Oh là là. Il y a encore un orage hein. Faut faire caca hein, c'est mieux. Ouais, mais il va pas avoir le temps. Parce que nettoyer une baignoire, lui, ça le... Il se divertit avec ça, il est bien. Ah, c'est l'heure de la pub de 60 secondes. C'est Justine qui a acheté la pub. Donc je vous remercie tous de regarder la petite pubinette. Ça me permet de devenir très très riche grâce à vous. Donc n'hésitez pas hein, à le mettre sur le chat si vous avez vu des pubs. C'est parti. Est-ce que j'ai mis maintenant 30 et 60 secondes? Comme ça, vous saurez. Et salut Lina! Comment vas-tu? Ouais, il est parti au taf. Il est parti au taf. Bon, bon, on va devoir... Alors, moi, je vais faire un truc, c'est que je vais mettre en volume en 3 et ils se démerdent. Ils font leur vie. J'ai contribué à ton immense richesse. Merci Justine! Merci beaucoup. Bah ça va Lina, ça va bien. Tu vas pouvoir payer les domestiques. C'est ça. On va essayer. Mais elle est où elle? Et je l'ai même pas vue dans son lit.
T'as encore tapé? Fais tomber un truc, je sais pas. On est dimanche, hein. On est coincé avec ces gamines. Hein. Va te laver! Alors, formation supplémentaire. Est-ce qu'on fait la formation? Est-ce qu'on l'offre à un collègue? Que dites-vous? Et c'est l'anniversaire de Toya. Super, il va grandir, on sera tranquille. Alors, on a deux pour faire la formation, un pour offre. Toujours Toundra qui est toujours à contre-courant. C'est pas grave, on n'a rien vu. Fait la formation 3 pour 1. On offre 3 pour 2. Vous êtes que 5? Allez! 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 Ça doit faire un bruit immonde dans le micro. C'est votre punition. Vous êtes que 5! Ok. On offre. Ok, ça fait 3 contre 3. Ça m'arrange pas, mais. Bon, le prochain, je le prends, vu que vous êtes tous morts là ce soir. Ce, je dis pas, mais YouTube, ils s'en foutent que j'attende en fait. Ils s'en foutent après que je dis bonjour à Jean-Pierre du 48, mais. On fait! Allez hop, on fait la formation. Gain de performance moyen. Bon, après, c'est pas très très grave. Hein. Tu vas discuter avec les collègues d'ailleurs. Vas-y, mais il est 13h, mais wesh, lève-toi, ouais, feignante, va. Elle est incroyable, celle-ci. Elle fait quelque chose de bien. Vas-y, tu vas pouvoir nettoyer ça aussi. Ils font leur vie, hein. J'ai cru qu'elle était en chemise de nuit, elle tellement ses fringues sont dégueulasses. Waouh! J'ai joué aux Sims 2 pendant 24 heures. Ça fait juste quand même presque 2 ans que je suis sur le même challenge, donc t'as raison. En 2 ans, j'aurais fait que 24 heures. C'est une raison comme une autre, hein. Il va bouffer ton onigiri. Lui, il a faim, il va en bouffer aussi. Voilà, c'est très bien. Voilà, c'est beau, hein? De quoi, Sims 2? Ah, j'avais bien vu un... Non, on a déjà un boulot. Oh, d'ailleurs, elle doit toujours poster son truc avant de se faire ni... de se faire nikai. Alors, c'était... On va mettre quoi comme photo? On va mettre celle-là, allez, hop. De toute façon, elles ont été toutes les trois approuvées, donc on s'en fiche. Oh, bien, ouais, de me péter au nez, comme ça. Mais tais-toi! Travaille! Je suis mauvaise. Ah! Ah! Attendez! Trop de choses! On a reçu encore une carte postale. Ah! Oh. Oui! C'est une nouvelle! De Bridenton Bay! Comment ça, de Bridenton Bay? Ah, ça y est, ils vont passer dans les escaliers. Ils vont gueuler dans les escaliers maintenant. C'est-à-dire qu'ils s'en vont. C'est la bonne nouvelle du jour. Pourquoi tu veux rentrer en courant? Bichon! Allez, va manger un onigiri. Pas si je vous laisse écouter ou pas. Ah, après tu iras faire un petit pipouze. Qu'il soit en forme. Parce qu'après c'est yoga. Tu as dit 24.
Bah, ils ont pas hurlé. J'ai dit 24 heures sur les Sims 2. Ah, oh, bah non, c'est pour... pourtant c'est sur les Sims 4. Tu vas méditer. Bah lui, il se gère, il va même chier tout seul. Et d'ailleurs... Oh, il clignote. Gâteau. Tu rirailles? Ouais. Il y a des chances que tu rirailles. Chonimo. Mais tu vas là-haut, c'est pas grave. On a mis un deuxième toilette exprès, Jean-Claude. D'accord. Allez! Ah, ça... oh, il est moins moche que sa sœur quand il souffle. Bon, il est pas terrible non plus, mais... un petit peu moins, quand même. Enfin, il souffle pas au bon... la bonne direction, surtout, donc... Happy birthday, Toya! Alors, est-ce que tu vas être aussi moche en tant qu'enfant? Tu vas où, là? Il voulait s'admirer dans la glace avant. Oh, oh, ça va. Alors, et il sera, on s'en fout. Voilà, tac. Et il sera pitre également, puisque, ben, voilà, ça, les enfants, ils auront les mêmes traits. Oh. Oh, la vache. Tu vas aller manger de la glace, toi, hein. La petite glace de régime. Ça fait... mais purée, mais celle-ci... je vais te l'emplâtrer! Mais tu vas voir ce que tu vas voir! Mais sans le prix de merde! Ah! Prends un cornet. Saté! Tu me nettoies ça tout de suite! Oh, on va aller voir papa qui médite là et qui s'envole. On sera beaucoup plus zen comme ça. Parce que là, les gosses, hein, entre ceux du dessus et ceux du challenge, moi j'en ai marre. L'abus de la glace est bon pour le corps, c'est ça. Hero Snow Queen. En tox de score, mais non, bah c'est pas vrai. Je suis gentille. J'ai juste dit emplâtré. Oh. Lui, il a beaucoup plus d'imagination que moi, hein, pour se torturer les gens. Il pourrait pas jouer aux Sims, lui. Il pourrait pas. Comment déjà il s'énerve pour pas grand chose sur ses jeux. Avec des bambins et des Sims, non, c'est... il y arriverait pas, je pense. Allez! Niveau 9. Excusez-moi, j'ai vraiment ma lentille qui me casse les noix. On va essayer de faire ça. J'espère que ça vous relaxe. On n'a même pas été voir sa tête. Bon, il est gros, hein. Et non, mais là, quand même. Enfin, à un moment donné, voilà. Il est un petit peu dans bon point, ce petit. Oh! Ouais, il y a moyen, quand même. Je pense qu'il serait peut-être mignon. Bon, là, il ressemble à rien. Et puis, il fait... donc, forcément, c'est pas beau. Donc, tu vas me reprendre un petit peu de glace, là. Allez. T'en as besoin. Mon garçon. Tandis que notre ami... ah, toujours pas. On est à 82%. Est-ce qu'il bosse lundi, là? Il bosse encore le lundi. Ah ouais.
Ah, en tout cas, il n'y a plus de bambins, ça y est, on est tranquille. Le problème étant que maintenant ils sont enfants, donc la peinture, tout ça. On n'est que tranquille que quand ils sont ados. Et encore, les adolescents, ils sont là. Je te comprends maintenant. S'il arrive à faire le niveau 9, là, on s'arrêtera. Il y a moyen. Il y a moyen. Cool. 1h du mat. Il va me le faire, le niveau 9. Il ne nous restera qu'un niveau. Moi aussi, je suis au niveau 9 de la zénitude. Oh, c'est pour ça que je voulais faire. Je pensais que j'étais en table, mais pas du tout. Eh ben, c'est bravo. C'est bravo, mon petit. Crac, crac avec ta femme, parce que c'est l'heure. Putain, mais les gosses, par contre. Hop. Pourquoi t'as la faim qui descend, t'as mangé de la glace Ah oui, c'est vrai. Il lui faut un lit aussi, lui. Oh. Non, pas celui-là. C'était le... ça que je voulais virer. Écoutez. Ça rame un petit peu. Alors, une belle chambre, lui, quand même. Je dis ça comme ça. Limite, je prendrais sa chambre. Hein. Je trouve qu'il a une trop belle chambre. C'est pas du juste. Je sais pas pourquoi. Je croyais que j'étais en Sims 3. Alors, on va lui laisser les hamsters. Comment ça rame, c'est affreux. Ok. Mais mon petit Toya, ça va être ton lit. Donc, si t'es fatigué, tu peux aller dormir. De toute façon, c'est l'heure, donc au lit. Au lit, tout le monde! Ouais, elle est déjà dans son lit. Je vérifie, hein, parce que c'est des saloperies, ces gosses-là. Bah, elle aura faim, mais c'est pas grave. Elle mangera de la saucisse, là. Elle va manger de la saucisse. Et comme ça, on peut dire qu'on arrive vraiment sur la fin de la génération rose. Il reste un niveau de deux compétences et on est fini avec Chamallow. Salut Aurélie, comment vas-tu? Martial, il se déchaîne. Un petit crac-crac. Non, les deux. Tu as pensé à ta mère après le crac-crac, t'es chelou toi. Allez, dodo. Qu'est-ce qu'il y a? Mais couche-toi. Il nous fait des allers-retours celui-là, mais pas dans le bon sens. Allez, c'est là-dessus que moi, je vais vous laisser. On va enregistrer. Ça, ce sera moins, plus court que les deux dernières semaines. Et on se retrouve la semaine prochaine, YouTube, pour la suite du Not So Berry. N'hésitez pas à mettre des coms, hein, comme d'habitude. Et puis, ben, à nous rejoindre aussi. Hein. C'est le Not So Berry, c'est le mercredi. Sur Twitch, donc n'hésitez pas à venir. Je vous fais des bisous et je vous dis à la semaine prochaine YouTube. À très bientôt. Ciao.